pulore mpa fa fine ba sumu ba fuma nga wu o yara sa fide ma fi bilibili fi huru ma nga nga abakar ma sa kafira abakar ma sa kumbi mati fi kumbi mati fi di mere mere kumbi mati bara fala fure be nga bile ma kumbi mere be bara fala ma communique be mo yona re yabi mo yona re kumbi mo yona re khabili kumbi na fala fi na hamma abara fi khembe bara fala ma sa ibe ma message khambi dongora na mu umuna yago ya girege mais quand je comme je me suis rendu compte que tu es un Lucifer, que tu es Mikriam, tu es vraiment un vrai diable. Ou un tambour son comme son. Mais une fois que nous avons ton cours comme mon objectif, c'est informer le peuple de Guinée qui tu es. C'est informer la population ignorante de Fria qui tu es. Parce que quand tu ne sais pas que tu as affaire avec un diable, ça va te détruire. Ou nous délirer, ça va te détruire. Assez cérébral, mais ça va te détruire. Si tu ne connais pas que le diable ne fait rien de bon, quand on signe un pacte avec le diable, assez cérébral, c'est à ton détriment, toi qui le sois. Et à tous contact dans son boutique. Kobo na sumira ima serenara abaka marisa on ne détruit pas tout le monde, on peut pas s'en prendre à tout le monde. Tu en as fait comme une habitude, mais moi tu ne pourras pas. Je suis un charismatique. Informe-toi c'est quoi un charismatique. Je suis un enfant des pieux, je suis un engagé religieux. Je crois fermement au bon Dieu. Alinéli, ma bombe la fila. Abaka Marissa, si tu ne fais pas attention, qu'Ibrahim t'envoie, ou Ibrahim Mou t'envoie, n'a pas la mou, il m'a rendu. Il fera mon nom en bien. Il parle de mon nom. Si tu joues avec moi, tu seras vaincu avec ça. Je lève ma main devant le Seigneur. Et devant vous, je dirais d'abord notre Père. Parce que quand tu appelles un Lucifer, alors ça y arrive. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne nos offenses comme pardonne ceci à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais dis-nous de moi la main. Dieu le Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai appelé un Lucifer. Protège-moi, protège ma communauté, protège la société que je veux défendre, le peuple que je veux défendre, orientez-les contre ce chemin du diable, contre ces contributions de ce diable, contre ces forces de ce diable. Peuple de Guinée, prenez note, d'abord laissez-moi vous informer aujourd'hui que Alpha Kamaxa est un franc-maçon. Un vrai danger franc-maçon. Narakuru Wabelamato. Il a signé le pacte pour être franc-maçon. Mais malheureusement pour la ville de Fria, Fria aujourd'hui est devenu son outil pour développer sa franc-maçonnerie, pour faire ses sacrifices. C'est de la franc-maçonnerie. Dites à Baka Marissa, envoyez-le ce message. S'il se rappelle en 2002-2003, Mbara Falabé, que j'ai son dossier, ma brillante maman. Mais je vais attirer son attention pour qu'elle refrain ça, Fima. En Fria, Fima, ma sœur, 2002-2003. Si il se rappelle de l'année, quand il était en France. Je vous ai dit, à ma compagnie maintenant, il a été misérable en France. Il a travaillé dur dans la saleté. À bon endroit, les Guinéens. Il était en aventure comme moi. Demandez à Bakar Marissa s'il se rappelle de Paul Diawara. Il n'a qu'à bien se rappeler son ami.
Parce que pourquoi je vous le dis, ce monsieur est d'une jalousie très extrême et d'une méchanceté très pire. Nous t'en marquons. Quand on a la fria, on m'a envoyé, on m'a renardé. On m'a fait que quand on va courir en temps, on marquons. Parce que quand même, on m'a. Quand même, on connaît ce moment. On connaît des bénéments. On connaît la fria. On marquons. À la religion, on marquons. Fait que n'a pas. Ayoubé, on marquons. Ou à ma région, pour ne bénéficier pas du monde. En 2003, Abaka Marissa, tu habitais chez mon oncle. Tu sais qu'il t'a mis dehors. Je ne te parle pas, je te regarde. Tu habitais chez mon oncle. L'oncle de Paul Diawara. Ex-directeur général du OGP. Il a pris le cas. Et tu sais pourquoi il t'a mis dehors. Non, je veux que tu te rappelles. Tu te rappelles de sa femme, Bijou. Si tu connais cette réponse, Alonex. Abakama, tu te rappelles lorsque Paul cherchait le pouvoir, il t'a dit qu'il allait devenir un grand responsable en Guinée. Et tu l'as dit. Et maintenant, il est revenu là. Il est devenu directeur général de OGP. La Guinée, je vous rappelle ça. Dès que Kassou est devenu premier ministre, son premier décret, c'était d'enlever Paul Diawara. Un ami intime de Abaka Marissa, qui change et partage le même lit que Abaka Marissa. Abaka Marissa, quand on est arrivé là-bas, c'était quoi ton problème? Où tu habitais? Je veux juste que tu te rappelles où tu habitais. Parce que tout me réunit. Et Félix était mes rafferas, et ni ma tora, et rétan comparé, j'en ai compassé à moi. Abaka Marissa, tu habitais dans une maison quand on t'a renvoyé, parce que Barbara en sort, à Guinée-Forna, et puis tu es au Kira, à Honema. Tu habitais dans une maison de 9 mètres carrés, dans le Havre. Abaka Marissa, tu te rappelles que tu habitais dans le foyer en France où ton enfant vit aujourd'hui. Abaka Marissa, c'est toi qui as vécu en France. Tu as dit que tu étais homosexuel. À côté de laquelle ils sont pas. Jusqu'à présent, tant qu'elle vit la canard, tu pars pour une nouvelle histoire. Chaque année, renouvellement. Mais Abaka Marissa, ce n'était pas une prétention. Tu sais que Idandan Kanaré, pour que tu puisses aimer les femmes, c'est une addiction pour toi, tu es devenu un fouman. Mais tu es en formation homosexuelle. Tu le sais. Je t'enverrai prochainement les détails. Et couche dans un soma pour ton homosexualité. Mais avant qu'à Marissa, j'ai pris toutes les informations de ton mariage que tu ne vis pas en France. Et j'envoie ça en France. Parce qu'il y a une pilgrimité, un bon moment de maman. Quand je suis resté calme, je sais pourquoi je suis calme. Tu es très méchant. Et tu as poussé Kassouri pour ta méchanceté. Tu as détruit ton ami intime. Tu l'as mis en prison. Tous tes amis t'ont dit, père à l'âme de Jo, mon Johan. Tous tes amis t'ont dit, il n'y a pas de pénal. Mais là, les gens ne te connaissent pas. Ta franc-maçonnerie, il n'y a pas de pénal. Il y a derrière dans ton gourmand. Et t'as fait rater. Tu n'aimes pas voir quelqu'un prospérer. Non, mais frère, moi, je vais prospérer. C'est ce qui te fait mal. Mais ne ribra pas vraiment que je cobre la souris, ma gourmand, je cobre la souris, ma serre. Mais une fille a venu ma serre là. Une fille a venu dans mon nom, ça, à derrière, fait ta main. Tu t'élèves avec ta franc-maçonnerie. Pas comme ça. Je vois un frère derrière toi, du Adafo Media. Il ne te connaît pas. Mais tu te sers de lui. C'est un frère, il connaît de qui je parle. Mais il ignore que tous les journalistes qui ont quitté Adafo Media pour la Djoma, c'est toi. Pour ta jalousie contre Grassi. Et de la même manière, tu connais le lien de Grassi avec mon pote, mon partenaire, mon préféré. Moussafa Naïdé. Tu as créé les audits pour créer des problèmes à Moussafa Naïdé. Mais tu penses que la richesse de Moussafa Naïdé
ça commence par son poste de ministre pour le détruire. Parce que ta jalousie, c'est quoi? Tu ne vas pas avoir une autre émergence juvénile si ce n'était pas toi. Mais tu pensais que quand tu as endossé la franc-maçonnerie, tu es devenu un dieu de l'univers. Tu as cherché à détruire mon sapanalité pour qu'il perde son boulot. Mon petit communicant du FDG, Djibril, tu l'as poursuivi jusqu'à le mettre en prison. Il t'emmène une menace, il a détruit mon nez. Et à ta mentalement, tu perdras tout en me suivant moi. Tu te rappelles de Gabriel? Lorsque le problème de drogue a commencé à Conakry, il pibre là-bas. Ton ami Gabriel n'a pas détruit. Mais le général Balde n'a pas voulu te suivre. Quand tu es avec quelqu'un, tu le détruis. Et tu fais semblant d'être généreux. Parce qu'il ne mérite rien dans ton mouvement. Moi, à peine j'ai commencé le projet, tu penses pouvoir moi me détruire. Moi, je ne serai jamais ton sacrifice. Il m'a envie de me rabasser dans ta franc-maçonnerie. Il m'a sauté mentalement. Abaka Marissa, tu es malade. Occupe-toi de ta santé. Ta famille est proche. Tous tes amis te détestent. Abaka Marissa, quand on a la diabète, on évite et on coule le cœur. Tes pieds là risquent d'être amputés. Occupe un traitement. Quelqu'un voit, tu succomberas dans ta maladie. Et Ragnawima. Abaka Marissa, Soumangawa. Et comment on appelle ça, l'ex-ministre de la jeunesse, tu l'as poursuivi. Tu sais, tu ne veux pas que quelqu'un émerge, soit populaire mieux que toi, et que quelqu'un soit plus proche du président. Il fait bien là-bas, il a mérité tout. Abaka Marissa, il a tout en moi, il m'a couru là. La franc-maçonnerie ne t'apportera nulle part. Abaka Marissa. La franc-maçonnerie, je te répète, ne t'apportera nulle part à Abaka Marissa. Abaka Marissa, en 2003, quand le cousin, mon cousin t'a frappé, il t'a cassé les dents, parce que maintenant il y a un protège ça. Tu as gardé cette haine. Tu as dit qu'il faut tu as détruire toute leur famille. Parce que, quand mon oncle t'a mis dehors, maintenant mon cousin t'a chicoté. T'as cassé les dents. Il a protégé dans ça, toutes tes dents de devant. Tu as dit que tu vas les détruire. Tu as la haine dans le cœur. Abaka Marissa. Et tu as la jalousie de voir d'autres jeunes prospérer. Tu as eu ce poste, c'est-à-dire dans un mandat où un malin qui est président. Et tu trouves quelqu'un à Fria qui émerge, qui est du même parti que toi, tu le détruis. Tu as détruit Nyalim. Tu partais tous les jours sur Nyalim. C'est de servir d'air pour avoir, pour gagner le terrain. Après, tu as monté les gens contre Nyali. Aujourd'hui, le nouveau préfet est tous vie à ton solde. Je l'ai informé. Le DPJ, nouveau directeur de la DPJ, la jeunesse là, qui avait vraiment une bonne conscience de bien travailler, tu lui mets les pressions, alors que lui aussi, il est venu par décret. Et puis, si c'est les gens qui sont irresponsables, il était l'homme Meïda. Mais Fouyam le met Saboué. Parce qu'à ton déclin, j'irai vers eux. J'ai leur dossier. Parce que quand tu n'assumes pas ton travail et tu suis quelqu'un qui a le pouvoir de la franc-maçonnerie, il vous possède avec son pouvoir démoniaque, il vous ment, il vous détourne. On vous dit là, si vous n'êtes pas fort avec la parole divine, avec la vérité, vous partirez avec lui. Peuple de Guinée, Guinéen, enfant de Fria, ou Makouyabaka Marissala, ou Makoubra son fils, ne vous prostituez pas pour mettre votre vie en péril. C'est un franc-maçon. C'est un homosexuel. Guéri pour qu'il soit sauvé, il est addicté, il a eu la nymphomanie. Il joue avec les femmes, il est détruit. Avec les yeux touchés, il derrière femme attendant. Faites très attention. Abaka Marissa, ta haine depuis 2003, on a 2021, tu suis ça. Tu as détruit tous tes amis. Et tu penses que tu vas gagner avec ça. Moussa Moïse. Moussa Moïse, il pouvait cautionner pour t'aider. Tu as voulu le détruire. Mais il a pris distance contre toi. Abaka Marissa, ce n'est pas tout le monde qu'on peut acheter. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut éveiller avec le pouvoir là. Moi, je suis sous couvert du pouvoir divin.
Apparemment, c'est si tu détestes Kassour aujourd'hui, afin qu'on aujourd'hui, c'est à cause de toi. D'abord, tu mens. Tu promets tout à tout le monde. Tu vis avec tes dettes. Mais Abakamansa, laisse-moi te dire que tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu as tout fait pour détruire Mokhtar Diallo. Jusqu'à lui, Dieu s'est sacrifié. Aujourd'hui, il s'est retrouvé dans la merde. On ne s'approche pas d'un homme comme toi. Tout le monde t'évite. Tous tes amis t'évitent. C'est pourquoi tu ne t'entends qu'avec des vagabonds, des marabouts. On regarde autour de toi. On regarde autour de toi. Rien n'est autour de toi. Tu es très stressé. Et tu prouves ça dans tes postes. Il est dans sa moto de Télomadri pour les posséder avec ta franc-maçonnerie. Avec un marsan, à Normandie, dans le Havre, on t'attend. Il voit un irradi parfait que son que Dieu le sauve, qu'on l'a fait à Dadis. On a contribué pour sauver ton enfant. Mais Abaka Marissa, qu'elle nous conseille, mais tu finiras. Qu'elle nous conseille, mais tu finiras très mal. Ta fin est proche, mais ta fin sera très ténébreuse. Friaki, nous avons un numéro normal dans le Nara. Mais on nous cafre dans le Nara. On nous fera maçon dans le Nara. Mais nous avons un matin où nous avons un pouvoir où nous avons un pouvoir. Le pouvoir de Satan. Il vous possède. Aujourd'hui, il démarche. Il a communiqué à Diana Barassa par erreur. On veut qu'il soit le président de la République. Il démarche pour marcher, pour faire la paix avec le Koundiri, pour que Amandia Rabele basse Kotma. Il démarche aujourd'hui parce que Kassouri, il y a un mimoro. Il démarche pour pouvoir prendre la place de Kassouri. Ce monsieur est le plus dangereux des sociaux. Et tout le monde prend distance de lui. Mais malheureusement, il avait eu un pouvoir où tout le monde devait passer par lui. Il devait avoir le dossier de tout le monde. Il s'en est servi avec. Il a endossé la formation. Il a signé le pacte avec le diable. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Avant, il ne s'intéressait pas au sport pour être populaire. À Tato, qu'on a investi dans ce cadre-là. Il a manipulé des hommes, de quelques personnes de nous, qui le prennent pour une personne gentille. Mais là, quand on s'entend, quand les milliards sont en tu ne peux pas me posséder. Je suis très équilibré. Très équilibré. Que tu sois vaincu par la force divine. Que le service de Dieu, l'esprit de Dieu te possède pour que Satan qui t'encombre soit pourchassé de ton corps pour que ma ville soit sauvée. Et là, quand on s'entend, la franc-maçonnerie que tu utilises pour dominer les gens, pour posséder les gens, les pauvres, les ignorants. Les faibles, que Dieu fasse qu'ils soient libérés de ton esprit, du diable. Mais rien à comprendre. Les gens qui n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas te voir. À part ma grâce, moi je te vois. Je te vois. J'ai reçu des informations. Je me rends compte que je n'ai pas affaire avec un homme ordinaire. Mais tu es un diable. Il ne mérite pas rien. J'ai vu ça. En envoyant les gens, injurer ma mère, injurer les mères des gens, détruire les vies des gens, payer des 2000 dollars pour insulter quelqu'un, pour déstabiliser cette personne, pour stresser cette personne. Je suis plus fort que toi. Que le Seigneur de l'Église de puissant, que la voile de la Sainte Vierge Marie, que le sang du Seigneur versé pour semer l'univers soit versé sur moi, que le pouvoir de Dieu m'anime. Mais donc cette force de vaincre ta possession diabolique, ton diable que tu utilises pour mettre ton pouvoir sur la ville de Fria. Fria qui est un saint d'Anne et Narek. Ou ma connaissance, ma franc-maçonnerie. Allez-y.